Salut à tous, c'est Rayek et bienvenue pour ce nouvel épisode Hearthstone. Alors aujourd'hui, c'est un mage YOLO, je l'appelais YOLO Saron, hein, bien sûr, parce que je vais jouer Yogg-Saron. Alors, c'est un deck fun, hein, donc taux de win et voilà quoi. Mais bon, je l'avais testé un petit peu, il avait l'air de tourner, sauf bien sûr quand on a des mains de merde au départ, hein, ce qui m'arrive régulièrement. Surtout quand je filme. Donc je pense que ça va être comme d'habitude, je vais avoir des mains de merde. Alors, je joue des flammes interdites. Alors, un, parce que j'ai pas la carte, j'ai pas eu de me la crafter, la déflagration des arcanes. Je trouve qu'elle est un petit peu mieux, puisqu'elle permet en fait de choisir, au moment où on va la jouer, on peut gérer des créatures beaucoup plus grosses par rapport à notre mana. Donc, je veux dire, au tour 10, si le mec il joue un truc qui a 10 points de vie, ben, on la joue, bon, ben, on a fait que ça de notre tour, mais on l'a géré, voilà. Si, on, je sais pas, on est au tour 10, il y a une créature 4-4, ben, on peut jouer pour 6 et garder les 4 derniers pour jouer la flamme interdite et dégommer la créature. Donc voilà, je pense qu'elle est un petit peu plus polyvalente que l'autre. Voilà. Parce que, étant donné en plus que je ne joue pas des... comment dire, de cartes puissance des sorts, je trouve quand même que c'est mieux. Bon, projet, un petit projectile des arcanes, hein, pour surtout pour la tisflamme, mais après peut-être l'enlever, mettre autre chose, il n'est pas obligatoire. Donc deux wyrms de mana pour le début de partie, c'est bien. L'éclairge de gif qui est quasiment obligatoire. L'apprenti du sorcier pour baisser le coût de la plupart de nos sorts, ça c'est top. Bloc de glace et entité miroir en secret, j'en ai mis un de chaque. Après j'ai mis un mage du Kirin Tor. Alors est-ce que je devrais pas enlever un mage et mettre plutôt une entité miroir? J'avoue que je ne sais pas, parce que ça permet de poser le mage et de poser un secret en même temps. Alors je l'ai mis comme ça, mais... on pourrait enlever le mage du Kirin Tor pour mettre une deuxième entité miroir. Alors, deux intelligences des arcanes pour aller piocher. Torche oubliée pour gérer le board. Latisflamme, bien sûr, qui fait le café. En général, il s'attire les foudres de la plupart des sorts, donc c'est super intéressant. Le mage du Kirin Tor pour les entités, enfin pour les deux secrets. Boule de feu pour mettre plein la mouille aux créatures ou aux joueurs. Une métamorphose pour gérer, on va dire, les plus grosses menaces que peuvent avoir l'adverse. Les grimoires de cabaliste pour avoir plein de sorts. Donc c'est un sort et en plus on en aura trois derrière. Deux adjurateurs éthériens pour pouvoir avoir du sort. Ça c'est quand même intéressant étant donné que de toute façon on veut le jouer avec Yogg-Saron. Alors j'ai hésité à mettre Bran. Le problème c'est que Bran, j'ai pas beaucoup de cartes. J'en ai. Bah j'ai que ça. En fait j'ai l'adjurateur. Je sais pas si ça marche sur le mage du Kirin Tor et pouvoir poser les deux secrets gratos. Donc j'aurai que les adjurateurs et le Yogg-Saron, donc aucun intérêt. Blizzard pour pouvoir gérer un petit peu le board au cas où. Choc de flamme pour gérer le board. Et Renin pour avoir des sorts supplémentaires. Allez, on va tester ça en ladder. Je vais me faire dépourrir, mais c'est pas grave. Bon, j'ai pas monté hein, ce mois-ci, donc... Alors, mage Jaina contre mage. Quel type de mage? Un mage Toon. Oh, ça j'aime bien. Pour démarrer, selon, ça peut être pas dégueulasse. Quoique la flamme interdite, la garder en première main pour gérer. Je dirais, pourquoi pas. Surtout s'il n'arrive pas à gérer la Wyrm de mana, ça peut être pas mal. Bon, après, il va peut-être jouer sa propre Wyrm de mana, bien sûr. Même pas. Là, c'est bien pour nous. Oh, double Wyrm de mana. Ah là, j'hésite. Hein. Allez. Et selon ce qu'il pose, je peux gérer. Donc, et j'ai de quoi piocher. Donc là, on est extrêmement agressif. Il fait que ping. Ok, il joue ça. Il joue ça. Je peux lui mettre 2. Bon, ça ira jamais 3 dedans, hein, je pense. Donc je vais faire comme ça. Donc il joue Stoon, monsieur. Donc s'il ping ce tour-ci, c'est pas grave. Il fera rien d'autre. Et moi derrière, je vais pouvoir aller piocher 2 cartes.
En attendant, je vais lui remettre 4 patates. Bon, là, on a un truc classique. Ok, je joue de la provo... La... des provocations entité miroir. C'est pas très grave pour nous. Nous, on va les recharger en carte en attendant. Selon ce qu'il joue, tac, tac. Et au pire, on a ça derrière. Voilà, il joue une petite provocation, mais c'est pas grave. J'espérais qu'il y en ait 3 qui aillent là, quand même. Alors, ben, on va gérer... Bon, pour le moment, ça se passe plutôt correctement. Pas trop posé sur le board à cause du flame strike, hein, bien sûr. Ouais. Pour le moment, ça ne chanique pas. Ah, bah il est là, monsieur Yolo Saron. Bon, pour le moment, j'arrive à gérer toutes ces menaces. Après, ça va peut-être pas durer non plus. Hein. Ça y est, il va le gérer. Éclair de givre, boule de feu. Boule de feu. Ça fait cher quand même. Hein. Aïe. Et Vampling. Voilà. Bon. Ça, c'est un tour. C'est nickel pour moi. Moi, je vais pouvoir poser le... l'adjureur éthérien. C'est ça. L'adjurateur éthérien. Prendre une carte qui sera pas dégueulasse pour moi. Oh. 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 J'hésite. Hein. J'hésite fortement là. Allez, pour le fun, même si je la perds, c'est pas grave. Mais là, c'était obligé. Éclair, ah non, mouton. Ok, parfait, ça fait ça de moins dans la figure. Il joue ça. Alors ça, je peux pas vraiment le laisser. Il faudrait quelque chose pour pouvoir... Ok. Alors, est-ce que je vais avoir quelque chose pour pouvoir le gérer? Oui. Ça m'en a redonné un autre. C'est horrible. Je ne sais pas combien je vais pouvoir lancer de sort, mais ça va être horrible. Ok, il a eu ça. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais si je fais ça, ça me réduit les coûts. Ça fait 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais il y a ça qui est gratos. C'est tombé pile poil parfait là. Parce que je peux en plus faire récupérer 3 sorts. Pardon. Oh la pyro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pour 9, je peux éclair de givre ça. Et lui balancer 3. Et... Non mais sérieux, il m'en a retourné encore un. Oh mon dieu, mais ça va faire... Mon dieu. Excusez-moi. Bon après, j'ai pas eu de secret, ça, ça m'emmerde. Mon dieu. Ça va être que c'est une partie de malade. Allez. J'arrête pas, il arrête pas de m'ordonner, hein. Mais combien je vais lancer de sorts à la fin, moi? Alors ça, je m'en fous du complet, mais alors complet. Ah, ça, je m'en fous moins. Bon, je pense que ça va se prendre sa pyro. C'est bien ça, toucher ça. Bon, je vais juste balancer la pyro dans la tranche du truc. Es-tu mon maître? Alors, mais on va pas le poser tout de suite, hein. Je sers le Seigneur. Alors, ce qu'il lâche Toon. Bon, s'il le sort, hein, je le mouton, mais... Ah, Zera, d'accord. Pourquoi pas. Donc c'est qu'il veut pas me gérer ça. Ok.
nombre de sorts que j'ai en main, j'hallucine. Allez. Une, deux, ça coûte 0, non, ça coûte 10, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va gérer son board. Bon, j'ai toujours pas eu de secret. Là, c'est gonflant. Ok, il a eu ça, c'est pas grave. Nous avons de nombreux secrets. Est-ce que tu as un secret à jouer? Il a pas de secret à jouer, ça c'est bien. Alors... YOLO. Moi pour ce temps là je joue des sorts hein. C'est nickel hein. 7, alors 8, je vais enlever. Oh, il va peut-être avoir Shtoon. Ça y est, il a réussi à le gérer. Les trois petits sorts en espérant pouvoir en jouer un. Oui, oh, le nombre de sorts que ça va lancer, oh, avec tout ce que j'ai joué. Ça va être énorme. Je pourrais le tuer hein, mais ça m'intéresse pas. Entité miroir. Je sers le seigneur. Parfait. Je sers le seigneur du feu. Allez, prochain, le prochain tour, y'a que ça run. Et là, s'il pose Stoon, ça va l'emmerder la en fait. De non, ça tu peux le poser, mon fou. Ou alors il joue pareil. Oh, merci. La puissance de Dalaran dans toute sa splendeur. Allez, on s'en fout, là c'est pour YOLO. Parce que là, il est mort normalement. Et on va à Yogg-Saron. Non, quitte pas. Vas-y, vas-y. S'il te plaît. S'il te plaît. Laisse-moi, s'il te plaît. Oh non. Zut. J'ai attendu trop longtemps parce que le nombre de sorts j'aurais pu perdre. Mais vu le nombre de sorts qui seraient lancés. Bon, c'est pas grave. Allez. Oh mon dieu. Allez, on en refait une. Mais j'ai pas arrêté. Oula, paladin. Alors, ça va être quoi? Paladin heal, paladin, je sais pas quoi. Alors, je serais tenté de le garder parce que si j'ai un secret, ça fait deux cartes, mais... Je pense que je vais l'enlever, en fait. Il emmerde plus qu'autre chose, on n'ose pas le poser. Bon, déjà, ça c'est bien. 1, 3, 5. Heureux de vous rencontrer. Je peux avoir du père entre deux. Bonjour. Voilà, bonjour d'entrée de jeu. On sait déjà qu'en face... Voilà, du petit secret, c'est pas grave. Pas gênant. Allez, face. Ok, bon, c'est le noble sacrifice. Ok. Alors faire gaffe à pyro égalité, donc ne jamais trop poser de créatures sur le board. C'est... Je sers le seigneur du feu. Je vais pas en poser plus, c'est lui qui a la pièce. Donc là au pire il pourrait faire pyro, pièce, égalité, mais ce serait pas utile. Ah, Nargleton. Ok, il veut ping. Il y a de quoi ping. Foiré. Bon, de toute façon, on a de quoi tuer sa bestiole sans utiliser ça. Permettra de gérer des trucs un peu plus gros. Un petit secret, on se dirait pas non.
Sinon, je joue les gérateurs, s'il joue pas grand chose. À moi ! Rien qu'à moi ! Ok. Alors, je vais jouer l'adjurateur, mais derrière j'ai rien, donc on fera avec. Hein. C'est pour mettre du board. Dans la ville, il a de quoi se soigner ou autre, hein, mais... Sans moi, le but, c'est que ça dure longtemps, la partie. Alors... Ah bah selon où ça tape. Bon malheureusement ça a pas voulu taper dessus. Il a de quoi ping. Donc on va jouer juste comme ça. Bon là il peut faire consécration ping mais... Ah mais ça fait popper notre truc. Ah, oula, j'ai mal lu. Bon c'est pas grave. C'est pas grave, j'aurais pu faire ça dessus mais... Ok, Kourou il tape. Il donne ping. Il face. Ah non, j'ai cru que... Ah oui, non, il a un ping face. Ouh, j'ai deux moutons, ça c'est bon ça. Ça c'est très 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 bon. Allez, ben on joue un petit adjurateur. On va récupérer... ben, Fiji. S'il me le tue pas au prochain tour, ce sera pas dégueulasse. Comme ça, ça fera repopper un truc à 5. Non, il va la gérer. C'est pas grave. Ça fera un petit truc pour après, pour la prochaine créature. Mais bon, il a 10, hein. C'est un serviteur, donc ça c'est pas grave, mais bon. J'ai la deuxième boule de feu, c'est fini, hein. C'est même terminé maintenant, hein. Bon, j'ai pas réussi à jouer Yolo Saron, là. Sérieux. Sérieux. Bon. On va en faire une autre, hein. Est-ce qu'il y en a une, je vais arriver à jouer Yolo Sharon. Alors, ouh, contre guerrier, ça va être dur. Surtout si c'est un face, il faut du... Alors ça déjà, je vais le garder en main. Ça c'est bien. Non, ça ne me servira à rien. J'hésite. La flamme interdite pourrait servir. Je vais la garder. J'aime bien cette carte. Donc, ouh, tour 2, ça pourrait être pas mal. Ça, un petit miroir. Envole-toi. Ok, c'est bon, on a compris. Ça, c'est un face. YOLO face. Ah bah ça, on va garder alors. L'emplacement est marqué d'un... Ok, c'était bien ça. C'est un YOLO face. Deck pirate. Alors on va voir si on arrive à le virer. J'ai un doute, mais on va faire avec. Prochain tour, je peux faire Atisman, pièce et flamme interdite. Et là, ça va pouvoir faire le carnage. Parce que là, il ne met pas énormément de mal. Hein. Mais, et il attaque. Alors, est-ce qu'il a une autre arme en main? Sûrement. Mais là, ça peut faire très 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 bobo. Alors, le seul problème, c'est que ça peut tuer les deux. Ce serait bête. J'aimerais bien que ça en tue qu'un seul. Voilà. Comme ça, je peux faire le deuxième et je lui mets face dans l'armure. J'exécute derrière. Ça va faire cher, hein. Ah non, il est avec l'arme. Ok. Alors, oh bah la petite mage, c'est pas mal ça. Alors il tape dedans, il va la gérer. Il va taper dedans, ça on s'en doutait. Il va me face.
Et s'il hésite à jouer quelque chose, c'est juste armor up. Pas de problème. Pas de problème. Alors là, je vais la jouer. Alors, est-ce que je joue derrière? Prochain tour, je peux faire Blizzard. S'il y a vraiment trop de monde. Donc, je vais la jouer et je vais le gérer. Bon, là, il serait temps que la pioche ou les multiplicateurs de sorts arrivent. En plus, s'il pose une créature, bien sûr, je vais avoir un doublon. Ah, voilà. Essayez ça. Ça, c'est top. Je me tape un petit doublon, comme ça. Essayez ça. Et s'il tape dedans, c'est pas grave. Ouais, et... Parfait. C'est pas grave. Moi, je vais geler tout le monde. Hein. En plus, je peux faire... Oh, bonjour. Oh, bonjour. Et que je pourrais gérer avec un seul ping. Par mon sabre à l'abordage. Par mon sabre à l'abordage. Alors le flame strike serait pas mal. Ce serait top même. Alors non, j'ai pas eu le flame strike. Alors je peux déjà ping ça. Est-ce que d'utiliser maintenant ça sert à quelque chose? Parce qu'il va pouvoir me la tuer de toute façon. Je pourrais entamer, re-entamer. Mais les deux à 1, parce que de toute façon je pourrais ping. J'aurais pu en gérer une, mais bon, je peux me prendre un tour. Selon ce qu'il va jouer. Ah, la charge. Flame Strike serait bien. Retournez au travail. Ah bah il a eu la totale en main là. Non. Il me tue en plus. Ah, il a eu la totale quoi. Ah non, il me tue pas. Mais là il me faut un Flame Strike ou je suis mort. C'est un gros César. Hein. Ok, top deck. Ok, top deck. Après il me faudrait mon boucle. Enfin, je sais pas ce qu'il a. Ouh, s'il joue que ça. Je pense qu'il va jouer. Est-ce qu'il a eu un gros truc? Non, il peut m'infliger 3. Ok, ça c'est pas trop grave. Oh, le bloc. Alors je YOLO. La puissance de Dalaran. Et je le jouerai au prochain tour. Mais là c'est dommage parce que j'arrive pas à voir mes sorts. Et ça c'est dur. Alors est-ce qu'il a eu une arme? Une charge? Alors. Après on espère. Je pourrais jouer au moins une fois. YOLO Saron, s'il vous plaît, merci. Donc la voir au prochain tour, s'il vous plaît. Malama voix soir. Bon alors ça c'est pas très grave. Ça me gêne pas plus que ça. YOLO Saron. Non, YOLO Saron ne veut pas. Alors on va admirer. Le gérer. Hein. Monsieur YOLO Saron est demandé, s'il vous plaît. Ah, il a une arme. Ok. Donc si j'ai pas YOLO Saron ou un ton, je suis mort. Ou un autre bloc de glace. YOLO Saron? Ben non. Malheureusement, pas de YOLO Saron. Dommage, hein, j'ai pas assez. C'est dommage, hein. Allez, bon, deux parties, deux victoires, une défaite. Après, j'ai eu un bon top deck, je vais pas me plaindre. Un moment, mais il a eu quand même la super main, hein. On peut pas dire le contraire. Bon, alors après, quand il disait que la méta allait se ralentir, non, je trouve qu'elle est même, elle va devenir de pire. Je trouve qu'elle est pire encore. Parce que là, les decks chaman complètement pétés avec la 7-7 pour 4,
Enfin quoi, voilà quoi. Bien, j'espère que la vidéo vous a plu. Prochaine vidéo Hearthstone, si le bras de fer, eh bien peut-être mercredi ou jeudi, je ne sais pas encore. Sinon, ben ce sera mercredi prochain. Voilà, allez, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne Facebook, Twitter, le groupe Steam et bien sûr Twitch. Petit commentaire si vous avez aimé le deck, petit pouce up si vous aimez la vidéo et on se retrouve bientôt. Allez, bye bye.